et bienvenue à la FanFest 2014 de Londres. Alors qu'est-ce que cet événement ? Cet événement, donc, c'est un événement créé par Square Enix pour les 1 an de Final Fantasy A Realm Reborn. Donc plein de fans de toute l'Europe viennent justement pour se rencontrer, faire des activités, pour s'amuser. Alors qu'est-ce qu'il y a comme activité ? Donc il y a évidemment du merchandising, donc c'est là que vous pouvez acheter le mug postier avec un code. Et également d'autres goodies comme des serviettes, des t-shirts, des polos, même des bandes originales d'autres Final Fantasy. Il y a également d'autres activités pour s'amuser, donc vous avez le Odin Battle Challenge pour gagner le t-shirt. Vous avez le Rodeo Behemoth que vous verrez tout à l'heure, qui est une superbe attraction que votre papatriarche a testé. Il est derrière, hein, mais vous le voyez pas. Il y a également plein d'autres activités, mais qu'on va vous montrer justement tout au long de cette vidéo. Alors, regardez bien jusqu'au bout. Avec Raphaël derrière. On a de la chance, ça va toi ? Ça va et toi ? Alors, comment cette fanfest pour toi ? Trop facile, on a gagné plein de trucs. On peut tirer à l'arc, tout ça, on gère. T'as géré toi ? Non, pas encore, mais je vais le faire là. Faudra peut-être te manier le tronc et Odin. Ça y est, je l'ai fait. T'as triché ou ? Non. Tu t'es fait PL ? Non. T'as pas le level ? Si. Donc de la FanFest de Londres. Alors on a eu énormément de nouveautés, beaucoup d'annonces, mais vraiment super excitant. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Il y a eu beaucoup d'annonces. Je m'attendais à ce qu'il dévoile juste le nouveau job, mais il a annoncé pas mal de nouveaux trucs, à savoir les montures volantes pour la 3.0, qui serviront à se balader dans les nouvelles zones, qui auront beaucoup de zones aériennes. Il a montré donc un chocobo volant ainsi qu'un airship monoplace. Ce qui est pas mal, on va pouvoir avoir notre propre vaisseau. Voilà, exactement. Alors on verra s'il faudra le crafter nous-mêmes ou pas. Il a également dévoilé deux nouvelles tribus barbares ainsi que deux nouveaux primordiaux. Alors
Les deux tribus barbares sont les Vanu-Vanu et les Gnas, ainsi que les primordiaux. Alors les primordiaux des Vanu-Vanu est Bismarck, donc la grosse baleine. Et les Gnars, alors eux ils sont un primordial vraiment unique à Final Fantasy XIV, qui est Ravana. Alors il a un design assez unique. Ravana, une sorte de design, bon, de toute façon vous verrez les images, hein, une espèce de roi des fourmis avec quatre bras et des lames immenses. Et, hein. Yoshida nous a promis un combat qui ressemblerait un peu au type de combat qu'on pourrait avoir sur Odin. Et aussi on a eu alors l'officialisation du chevalier noir. Donc le chevalier noir qui sera un tank, ce qui peut paraître un peu bizarre, non? Pas tant que ça, parce que les tanks sont... sont en sous-nombre. On sait qu'ils sont demandés dans l'outil de mission parce que il y en a pas beaucoup qui jouent. Donc le fait d'apporter le Dark Knight, qui est un job très demandé, avec le rôle de tank, ça permettra de combler ce manque. Et après, il a quand même teasé une autre classe, enfin un autre job surtout, parce que avec la 3.0, il n'y aura plus de classe, si on a bien compris. C'est bien ça. Le job de Dark Knight n'aura pas de classe de base associée. On pourra directement commencer Dark Knight niveau 1. Il aura une arme. Il maniera les grosses épées à deux mains, donc les Great Sword. Et ah oui, donc je disais ça tout à l'heure, mais ils ont teasé une nouvelle classe. Donc Yoshida avec un t-shirt 007 GoldenEye. Donc un gunner. Il a dit qu'il parlait juste des films qu'il aimait, hein. C'est. Oui, mais bon, déjà le Batman de Las Vegas, voilà quoi, c'était un peu trop subi. Il a effectivement teasé une classe qui manierait donc les flingues pour la 3.0. Elle sera annoncée le 20 décembre à la FanFest de Tokyo. Slowly turn. Face the camera lens. Perfect. Right, come on. Fish fly. Can we do it again? Alors nous sommes juste en face du Odin Battle Challenge, dont nous avons réussi, comme vous pouvez le constater, avec nos t-shirts. Alors là par contre il y a le vent, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Alors je suis avec le papatriarche érudit que vous connaissez tous, notre spécialiste d'FF14, Sharon 974.
Alors comment as-tu trouvé ce combat ? Le combat était plus dur que ce à quoi je m'attendais. Tu te situerais à quel niveau ? Je m'attendais à un combat un peu du style des combats événementiels comme le Léviathan qu'on avait eu à Japan Expo, mais c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est un combat conçu non pas pour présenter le jeu aux nouveaux joueurs, mais vraiment un combat conçu pour ceux qui jouent déjà au jeu et qui maîtrisent quand même pas mal certaines techniques. Donc niveau difficulté, je dirais plus dur qu'un primordial brutal, peut-être un peu moins dur qu'un extrême. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la stratégie en fait, ce qu'il fallait faire en gros pour vraiment réussir ce combat ? La clé du combat, c'est il y a deux choses. Il y a le DPS en premier, étant donné que c'est Odin. Hein, Odin dans tous les Final Fantasy, au bout d'un moment, il en a marre et il fait Zantetsuken. Donc une fois qu'il fait Zantetsuken, la clé du combat, c'est avant tout le DPS parce que Odin, fidèle à sa réputation dans Final Fantasy, au bout d'un moment, il en a entièrement marre de nous et il décide de nous Zantetsuken et on est tous morts. C'est donc une course DPS ce combat, il faut envoyer du lourd. Il faut aussi envoyer du lourd niveau heal parce qu'il a des techniques qui font... comment dire ? Voilà, le debuff saigné qui fait 600 de dégâts à tous les membres de l'équipe à rythme très régulier, c'est le danger principal de ce combat. Et surtout, on va retrouver ce combat dans la version finale du jeu, alors n'hésitez pas en tout cas à le faire, parce que moi j'ai fait 7 essais pour le tenir. Number 8, Carrie McCord.
Las Vegas. Oh, no. No, no. You are liar. Unfortunately, now it's the closing ceremony. Truly, there's been so many happenings with this project. Today, in this venue, there are so many legacy players who are here. And today, this venue, I've seen so many legacy players as well. その 4年前から Square Enix と Final Fantasy XIV を応援してくれてる皆さんと、そして ARR から新しく一緒にゲームを楽しんでくれてる皆さんと、こうやってファンフェスティバルが行われて本当に嬉しく思ってます。 With you, who has been supporting us for 4 years for Final Fantasy XIV and Square Enix, and you, who joined us throughout from the Final Fantasy XIV A Realm Reborn, I'm really happy we all joined here today and had this fan festival. Really, thank you. So this has been the first fan festival here, and there've been some troubles as well, but we learned a lot, and now we've managed to do it once. I'm sure we can come back again. Thank you. I love you.